Oh, bon, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bon. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue en ce jeudi le 15 juin 2023. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Vous savez, ce soir on va parler de quelque chose qui est très précis, la première partie. Je ne sais pas si on va avoir deux parties, mais on va commencer par la première partie, disons, et la conclusion, s'il y a une conclusion ce soir. Le sujet, nous allons parler de le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, nous allons parler de la plénitude de l'Esprit, et nous allons parler du feu, du baptême de feu. Alléluia! Nous allons parler de la plénitude du Saint-Esprit que l'Église primitive a reçue dans la chambre haute. On voit aujourd'hui que beaucoup d'enseignants et beaucoup de prédicateurs n'apportent pas ce qui doit être apporté. Et c'est comme une correction ce soir que je vais faire. Vous allez... ça brosse déjà dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit pour ce message. Seigneur Dieu, puisses-tu mettre ta main? Ta main est avec nous. Je te fais totalement confiance et... puisses-tu toucher mes frères et mes sœurs qui vont écouter ce message, pour ceux également qui seront en différé. Puisses-tu nous enseigner, puisses-tu nous conduire là où tu veux nous conduire. Comme savons que c'est toi qui connais toutes choses, et tu fais toutes choses, en chacun d'entre nous et au milieu de ton Église. Pourquoi parler de ce sujet? Bien, depuis plusieurs années, nous entendons venir de la part des pentecôtistes et autres dénominations touchant le baptême du Saint-Esprit de feu, qui est très mal compris et interprété dans nos églises ici au Québec. Je ne sais pas en France comment qu'ils voient ça ou ailleurs aux États-Unis, mais ici au Québec, c'est très mal interprété. Et depuis ma conversion, je peux vous dire que je répétais constamment à des frères, des sœurs que l'enseignement n'était pas bon. Et je le vois aujourd'hui, nous constatons comment sont la plupart des églises ici au Québec, comment c'est rendu. Ce n'est pas surprenant de voir que l'abandon de la foi est là et l'abandon du premier amour est là également. Et comment que le péché règne également au milieu de l'Église. Depuis très longtemps, l'Église en général ont resté avec cette image et cela n'a jamais été corrigé par qui que ce soit, publiquement, je crois, en grande partie. Une hérésie qui est là encore et qui trompe le peuple de Dieu en mettant de lourds fardeaux sur beaucoup de frères et de sœurs de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En propageant cet enseignement qui est faux et mal interprété par plusieurs prédicateurs et enseignants, prions le Seigneur, frères et sœurs, pour que Dieu puisse nous révéler sa parole. Et on va voir dans ce message qu'il y a des contraintes, il y a des choses qu'on doit comprendre et qu'on doit saisir. Mais pour les saisir, pour les comprendre, il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu, il faut prendre du temps avec le Seigneur dans l'intimité, dans la prière. Il faut parler au Seigneur. Il faut confesser nos péchés. Car la séduction est grande, très grande, frères et sœurs. Dans le passage que nous allons voir, ça nous parle d'arbres. Les arbres. Qui sont ces arbres? Ils représentent qui ces arbres?
Ces arbres représentent des personnes, et Jean-Baptiste en parlera dans son message prophétique. Mais avant, allons voir ce que Jean le Baptiste a prêché dans Matthieu 3, 10, 11, 12. On va aller voir Matthieu, chapitre 3, 10, 11, 12. Je vais le répéter après parce que c'est très important. Je l'ai écrit sur ma feuille. Prédication de Jean-Baptiste. Verset 3, c'est ça que j'ai dit, verset 10, 11, 12. Jean-Baptiste dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Une parole sérieuse, ça, frère et sœur. 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Jean baptisait d'eau pour amener le peuple juif à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Jésus, il parle de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Regardez le verset suivant, verset 12, qui est le principal de ce texte. Il a son vent à la main, il nettoiera son air. Et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Qui sont ces arbres? Spirituellement, nous représentons les arbres. Les fils de Dieu, en esprit et en vérité. Les croyants, les chrétiens. Nous représentons ces arbres. Regardons ensemble ce que Jean Baptiste, le Baptiste, va dire dans l'Évangile de Matthieu qu'on vient de lire, chapitre 3, 10, 11, 12. Jean Baptiste déclare ceci. Déjà, la cognée est mise en racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. On sait que le Seigneur nous demande de porter du fruit. Lorsqu'on est converti, lorsqu'on est repentant, lorsqu'on est né de nouveau, nous devons porter du fruit. Oui, nous pouvons broncher d'une manière ou d'une autre, comme l'apôtre Paul dit dans ses épîtres. Mais le Seigneur est toujours là pour nous relever. Mais nous devons porter du fruit pour le Seigneur. Qui sont ces arbres? Ils représentent qui ces arbres, comme je le disais? Ces arbres représentent des personnes. C'est ce que Jean-Baptiste enseigne dans son message prophétique. Parce que c'est un message prophétique. C'est un message prophétique pour Israël, de ramener Israël, de ramener le Père à leurs enfants et leurs enfants à leur Père. C'est l'esprit d'Élie, l'esprit prophétique. Un esprit qui appelle à la repentance et à la soumission de Dieu. Le passage de Jean nous montre qu'il y aura un jugement qui sera irréversible et sera imminent. Lorsque Dieu apportera son jugement, et cela se fera par le feu qui dévorera les rebelles, ceux qui ne porteront pas de fruits lors de son retour. Ce feu, la Bible nous dit que le jugement de Dieu commencera par son Église. Nous savons-nous pas, frère, que cela est dit dans la parole de Dieu, que le jugement de Dieu va commencer par sa propre maison. Qui est sa maison? Fais-tu partie de sa maison? Je fais partie de la maison de Dieu. Je fais partie du temple de Dieu en esprit et en vérité. Une habitation spirituelle. Une habitation solide, ferme, qui est bâtie sur la pierre qui est Jésus-Christ. La Bible nous dit que le jugement de Dieu commencera par son Église. 1 Pierre 4, 17 nous dit: car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Qu'est-ce que sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu, à la parole de Dieu? Et plusieurs n'obéissent pas à la parole de Dieu. Écoutez bien, frères et sœurs, obéir à la parole de Dieu,
c'est de ne pas retrancher aucune chose de la parole de Dieu. Même si c'est sévère, je vais le répéter et le répéter dans les messages que Dieu va me donner. Il ne faut pas retrancher aucune chose de la parole de Dieu. Si nous sommes obéissants, mais je sais que plusieurs retranchent des choses de la parole de Dieu. Ils ont méprisé l'Esprit de Dieu, ils ont méprisé l'enseignement de Jésus, et ils se disent chrétiens. Ils se disent avancés dans les voies du Seigneur, tout en rejetant sa parole. Verset 11 de Matthieu, chapitre 3. Jean-Baptiste dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Plusieurs disent, « Nous sommes remplis du Saint-Esprit et de feu. » Nous sommes remplis du Saint-Esprit et de feu. Savez-vous que le feu, ça brûle? Et que le feu, ça peut détruire également? Ici, dans ce passage, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Et non d'être rempli du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Dans ce passage, il parle du baptême du Saint-Esprit pour amener à la repentance. Il ne parle pas d'être rempli du Saint-Esprit, du don de l'Esprit, rempli de la plénitude du Saint-Esprit, comme les disciples ont eu à la Pentecôte. On va le voir dans le message. De quel feu Jean-Baptiste nous parle là, frères et sœurs? Il nous parle de la puissance du Saint-Esprit, oui. Et il met en parallèle le feu. Il met en parallèle le feu. Nous voyons dans ce passage trois sortes de baptême. Premièrement, le baptême d'eau pour amener à la repentance. Le baptême de Jean symbolisait la purification. Nous voyons verset 5-6 du chapitre 3 de Matthieu. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, auprès de Jean-Baptiste, pour se faire baptiser. C'était des Juifs. Cela se passait en Israël. L'Église n'était pas formée encore. 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Tout comme l'apôtre Pierre le mentionne dans les Actes, chapitre 2, 37-38. Nous lisons, Pierre leur dit, « Repentez-vous, parce que les eaux de Pierre avaient apporté un discours apostolique. Il avait raconté... ce que Jésus-Christ avait fait dans Jérusalem et en entour des villes. Il a démontré que Jésus-Christ était le Christ, était le Messie, et c'est lui qui devait venir. Et eux étaient tous surpris d'entendre le message de Pierre. Et ils se disaient entre eux, « Mais Pierre, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être sauvé? Que faut-il faire pour être sauvé? » Et Pierre, prenant la parole, il va dire ceci. Il dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Don du Saint-Esprit, acte 5, 8, 1, acte 1, 5, 8. Le don représente la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit en soi. Les disciples ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, non seulement du baptême du Saint-Esprit pour arriver à la repentance,
mais pour être témoins de la résurrection et de la mort de Christ. Ils ont été revêtus du Saint-Esprit, on va le voir dans le message. Le baptême de Jean était doté d'un symbolisme particulièrement fort, marquant le signe de la repentance. Plusieurs se repentaient dans l'attente de l'arrivée du Messie. Voyons la signification du baptême johannique, qui est un signe de pénitence que Jésus a transformé en rite significatif du don de l'Esprit-Saint. Cela apparaît déjà dans le baptême de Jésus par Jean. Par ce baptême, Jésus a voulu ratifier la mission du baptiste et en même temps, y mettra fin. Jean-Baptiste était le précurseur, la voix prophétique qui préparait la venue de Jésus le Messie. Jean-Baptiste était la voix prophétique. Il préparait la venue de Christ en appelant le peuple juif à venir à la repentance, à confessant le péché. Il préparait Israël. Il préparait le peuple d'Israël. Il préparait les pères et les fils et les filles pour qu'ils reviennent à Dieu. C'était le message prophétique de Jean-Baptiste. Le baptême johannique diffère quelque peu de sa signification chrétienne. Acte 18, 25. Ça nous dit ceci. Un juif nommé Apollos, on va comprendre plus qu'est-ce que ça veut dire. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et enseignait avec certitude ce qui concerne Jésus. Qu'il a connu seulement le baptême de Jean, Aquilas et Priscille l'ont entendu parler librement dans la synagogue. Et on sait qui est Apollos. Il prit avec eux Apollos et lui exposa plus exactement la voie de Dieu. Apollos enseignait publiquement et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Tout va bien là, jusqu'à présent. Apollos, il avait connu le baptême de Jean, le baptême de repentance, mais il n'a pas connu la suite. C'est pour ça qu'Aquilas et Priscille l'ont pris en part pour lui montrer plus exactement la voie du Seigneur. Et nous voyons cela dans ce siècle-ci. Est-ce que réellement, il y en a qui ont été immergés par le baptême de Christ, par la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont reçu vraiment la plénitude du Saint-Esprit qui était promis par Jésus, un don que Dieu a donné à l'Église? Alors, Apollos ne comprenait pas pleinement la vérité chrétienne. Le baptême de Jean devait servir à préparer Israël à l'arrivée du Messie. Luc 1, 16, 17, pour ceux qui prennent des notes. Apollos acceptait ce message et n'hésitait pas à reconnaître que Jésus de Nazareth était le Messie d'Israël. Cependant, il ne comprenait pas certaines vérités essentielles qu'un croyant doit connaître, qu'un témoin de Jésus-Christ doit savoir, comme la signification de la mort et de la résurrection de Christ. Le ministère du Saint-Esprit, la place de l'Église en tant que nouveau témoin de Dieu. Il était un croyant racheté de l'Ancien Testament, Apollos. Et combien nous pouvons voir dans ce siècle des gens comme Apollos, des théologiens, ceux qui étudient la parole de Dieu, à l'Université Laval, intellectuellement, ils connaissent les Écritures, mais il leur manque un bout
de vérité. Les téléogiens. La misère avec ce mot-là. Alléluia. La théologie. Les études de la théologie. Alléluia. En réalité, le baptême chrétien a modifié la signification du rituel qui symbolise l'identification du croyant avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Romains 6, 3, 5. On va aller lire Romains 6, 3, 5 ce que ça dit. Romains 6, 3, 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et 6, ça dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui prennent des notes, Colossiens 2, 12. Deuxièmement, nous voyons dans le texte de Matthieu chapitre 3, 11, Jean parlera du baptême du Saint-Esprit que Jésus va baptiser. Jean a baptisé d'eau, Jésus va baptiser du Saint-Esprit. Il va baptiser tous ceux qui vont venir à lui et croiraient en sa personne, croiraient que Jésus-Christ est le Sauveur, le Messie, le Christ, le Oint de Dieu. 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous mener à la repentance. Il dit par la suite, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Jean dit dans ce texte, en parlant de Jésus, le Fils du Dieu vivant, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je tiens à le répéter constamment parce que c'est très important. Le deuxième type de baptême sont ici mentionnés. Jusqu'à là, n'est-ce pas? Oui. Amen. Alléluia. Écoutons bien, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont baptisés du Saint-Esprit. L'apôtre Paul en parlera dans son épître au 1 Corinthiens 12, 13. Il n'est pas question de feu dans ce passage. Il n'est pas question de feu du Saint-Esprit. Il s'agit seulement du baptême du Saint-Esprit. Le feu est l'instrument du jugement de Dieu. On va aller lire 1 Corinthiens 12, 13. Je ne l'ai pas marqué dans mes notes, on va aller le voir. 1 Corinthiens 12, 13. Seulement, je l'écris à main. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. On parle du salut, là. Vous savez, le feu est un instrument du jugement de Dieu. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, moi et mon épouse, on est arrivé à l'église, puis l'église chantait ceci, « C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel. » C'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans mon cœur, alléluia. À ce moment-là, nous ne savions pas de quel feu il parlait, parce que ça n'a jamais été expliqué. Et ce feu, moi, je ne le veux pas. Dans ce contexte, il parle du feu du jugement. Parce qu'on l'a lu tantôt. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il
prendra le blé dans son grenier. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et on a les explications dans ce message. Plusieurs pasteurs ont conduit les gens dans de fausses doctrines, tout comme l'enlèvement de l'Église. Quand cela arrivera, mes frères et sœurs, plusieurs ne sauront que penser de tout ce qui arrive. Beaucoup ont dilué la parole de Dieu et l'ont falsifiée. Ils auront leur rétribution. Que dit l'apôtre Paul touchant le baptême du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 12, 13, je viens de le lire. En fin de compte, je l'avais écrit sur ma feuille, je m'en souvenais plus. On va le relire encore. Nous savons tous, en effet, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Tous et chacun. Nous avons été baptisés dans un seul esprit. Il n'y a pas plusieurs esprits. Malgré, il y a plusieurs esprits ténébreux qui courent ici et là et qui se promènent au milieu de l'Église. Un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Est-ce que Paul parle de feu, là? Non, il ne parle pas de feu. Il parle du corps de Christ. Tous ceux qui ont cru ont été baptisés du Saint-Esprit. Et se sont repentis de leurs péchés. D'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, il est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Là, nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit et non du baptême du Saint-Esprit. Lorsque les disciples ont entendu à Jérusalem, l'Église qui représente le corps spirituel de Christ se forme lorsque les croyants sont immergés par le Christ dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a bien compris, frères et sœurs? L'Église qui représente le corps spirituel de Christ se forme lorsque les croyants sont immergés par le Christ. Immergés par le Christ dans le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? Christ est celui qui baptise. Christ est celui qui baptise, comme l'a dit le chapitre 3 de Matthieu, verset 11. Chaque croyant sont abreuvés d'un seul et même esprit au moment du salut. Au moment du salut. Les croyants ne deviennent pas seulement membres en part entière de l'Église, qui est le corps de Christ, et non un bâtiment, là. On ne parle pas de bâtiment, on parle du corps de Christ en esprit et en vérité, des pierres vivantes. Des pierres qui ont en dedans deux, pas un feu, là. On peut dire qu'on a le feu. Ça dépend de l'interprétation. Ça brûle en dedans de nous. Ça brûle pour la parole de Dieu, pour défendre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Paul était de ce genre. Jérémie était de ce genre. Ça brûlait en dedans pour défendre l'Évangile, pour défendre ce qu'ils avaient reçu. Le don du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit lui-même vient demeurer en chacun d'eux. Membre à part entière de l'Église, qui est le corps de Christ, mais le Saint-Esprit lui-même vient demeurer en chacun d'eux. Romains 8, 9, l'apôtre Paul dira dans son épître aux Romains, « Pour vous, pour nous, pour toi, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Paul est clair lorsqu'il déclare ces choses-là. Il dit, « Si du moins l'Esprit de Christ habite en vous. » Plusieurs devraient se sonder pour savoir si l'Esprit de Christ est en eux, moi le premier. Écoutons bien la suite, frères et sœurs. Paul dit dans son passage des Écritures, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit Saint, l'Esprit de Christ, l'Esprit qui révèle toutes choses, le don du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ. Alléluia! L'objectif du message pour nous, frères et sœurs, et le but de Dieu est de nous prévenir qu'il y aura de fausses doctrines qui sera apportées au milieu du corps de Christ. Et on le voit dans cette génération partout, partout. Le but, c'est de regarder à ce que dit sa parole. Nous devons la lire et la méditer, car la séduction est grande, en parole et en action, qui vient des hommes pour tromper. Et plusieurs sont influencés par l'esprit du mensonge qui vient du diable. Veillons et prions. L'objectif de Dieu pour nous, c'est que son Église lui soit obéissante et qu'elle veille sur ce qu'elle entend dans ces derniers jours. On entend de toutes sortes dans ces derniers jours, frères et sœurs. Dieu veut que l'on soit fidèle à sa parole et que l'on soit réveillé, car il y en a qui dorment encore. Et plusieurs marchent en ennemis de la croix. L'apôtre Paul l'a souvent dit et déclaré et répété au peuple de Dieu. Et c'est bon pour nous. Nous voilà au but principal de ce message des Écritures qui est très mal compris par plusieurs dirigeants et pasteurs d'Église. Venez avec moi dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11. Là où il est dit par Jean-Baptiste que Jésus va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Voilà le troisième thème, le troisième baptême qui est dit dans ce texte. Un baptême de feu. Moi, je veux pas avoir ce feu. Je veux pas être baptisé de ce feu. Plusieurs disent, wow, nous sommes remplis du Saint-Esprit et de feu. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est comme les disciples marchaient avec Jésus. Ils disent, Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel? C'est le feu du ciel. Et ils disent, je ne savais pas ce que vous demandez. Dieu est un feu dévorant, oui. Alléluia. Ce feu représente un jugement. Vous vous souvenez au tout début du message, lorsque Jean dit au verset 10, « Tout arbre, donc qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. » Oui. Jésus va baptiser du Saint-Esprit de feu. C'est vrai qu'il va baptiser de feu, Jésus. Mais de quel feu? Un feu de puissance, d'énergie, de foi, d'amour, de combattant. C'est quoi ce feu? Voyons ce que dit le verset 12 du chapitre 3 de Matthieu. Jean Baptiste dit ceci. Frères et sœurs, écoutez bien. Il dit au verset 12, il a son vent à la main. Qui a son vent à la main? Bien, c'est Jésus qui a son vent à la main. Jésus s'apprête à baptiser de feu. Et ce jugement vient bientôt, frères et sœurs. Tantôt, je disais que, dans 1 Pierre 1,17, je crois, que le jugement va commencer par son Église. La Bible dit, « Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Il nettoiera son air, il nettoiera l'Église, l'air de l'Église, il amassera son blé dans son grenier, ce qui lui appartient,
mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Dans l'ensemble de ce message, le feu est la valeur de l'instrument du jugement de Dieu. Que l'on voit au verset 10-12, que l'on a vu ensemble. Écoutons bien, frère et soeur, le baptême de feu signifie nécessairement un jugement sur ceux qui refusent de se repentir. Et laissez-moi vous dire que l'Esprit de Dieu parle depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, par des serviteurs de Dieu, de la repentance. Repentez-vous. N'attendez pas ce jugement. Jean-Baptiste a dit, jusqu'à quand vous allez fuir la colère à venir? Parce qu'il y a une colère qui s'en vient. Et croyez-moi, cette colère, elle est effrayante, cette colère. Plusieurs disent qu'ils ne verront pas les jugements de Dieu, les fléaux de Dieu, au milieu de cette humanité, au milieu de l'Église. Laissez-moi vous dire, vous allez être surpris de voir ce que Dieu va faire. Parce que plusieurs dorment. Plusieurs restent incrédules encore. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils sont confortables. Arrêtez d'être confortables. Et ouvrez vos cœurs à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Comprenons. Comprenons que nous sommes entourés de ténèbres. Comprenons que à l'extérieur, c'est le prince de l'air qui mène toute cette société corrompue. Et ça s'en va à la décadence. Comprenons cela. Ce jugement viendra bientôt et fera une séparation entre le blé et la paille, qui représente la balle, l'ivraie, l'ennemi, le faux témoin qui appartient au père du mensonge. Est-ce qu'on comprend cela, frère et sœur? Ah, faut pas trop s'énerver. Marc-André, tu t'énerves bien trop. On sait tout ça. Vous savez tout ça. Est-ce que vous vous préparez à ça? Parce que tout le monde prenne toutes sortes de messages et gomme ces messages, ils sont corrects avec ces messages, sont séduits par ces messages, par des faux docteurs qui disent que l'enlèvement de l'Église va se faire avant les tribulations. Et en parlant de ce baptême, et en parlant de ce feu, qui ont enseigné le contraire, on connaît. Oui, frère, ça, on connaît en partie. Oh, Jesus. Quand nous voyons le mot « vent », il a son vent à la main. Ceci représente un outil qui servait à lancer le grain dans les airs, de sorte que le vent se le sépara de la balle, du blé et de l'ivraie, qui représente l'ivraie, comme je le disais précédemment. La balle représente l'ivraie au milieu du blé. Et l'ivraie n'est pas seulement dans le monde, là. Il est au milieu de l'Église. Il est au milieu de nous, là. Satan se dirige en ange de lumière. Il y a des ministres qui s'infiltrent ici et là, au milieu de l'Église. Paul en parle, des faux docteurs. Et il y en a qui sont sur l'emprise de cet esprit de satanique et qui pensent marcher dans l'esprit de Dieu. Mais ils marchent sur l'esprit de l'Antichrist. Il connaît la parole de Dieu, lui, ici, là. Il chôme pas, là. Satan va jouer ses dernières cartes dans les derniers jours, frère et sœur. Et c'est pour bientôt. Je répète ce passage qui est écrit également dans l'Évangile de Luc 3:16 et 17. Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. » Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, Jésus, il vous bâtira du Saint-Esprit et de feu. Un feu qui ne s'éteindra point. Baptisé de feu, c'est un jugement
de Dieu, d'un jugement que Dieu va apporter. Et il commence par son Église. Il va faire une séparation au milieu de son Église. Et tous ceux, tous les ennemis de Dieu, tous ceux qui sont ennemis de la croix, qui marchent en ennemis de la croix, seront jetés dans cet étang de feu, éternellement. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il vous bâtira de feu, du Saint-Esprit de feu. Il a son vent à la main, comme je le disais. Il nettoiera son aile, amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Car c'est un baptême de feu, là où se trouve la géhenne, là où ça brûle pour l'éternité. Voici, je vous donne un exemple portant un exemple sur le feu. Une image que l'on peut voir dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, et d'autres images également. Jérémie 29. Jérémie, c'est un prophète, hein? Jérémie, c'est un prophète, puis il ne faut pas s'arrêter de parler, mais à un moment donné, il a dit, je ne parlerai plus en ton nom, Seigneur. Je ne parlerai plus pour toi. Ben, je comprends, Jérémie, il trouvait ça dur, probablement, parce que Dieu, il transmettait des paroles, et Jérémie transmettait des paroles au peuple et au roi, et il n'était pas content de ces paroles-là, et aujourd'hui également, ils ne sont pas contents d'entendre la voix prophétique, où un prophète, quand il arrive, il dévoile le péché, il dévoile les choses, ils ne sont pas contents de ça. L'ennemi n'est pas content, non plus. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu. Il dit, comme un feu. Et c'est toujours symbolique, comme un feu. On le voit dans la Pentecôte, on le voit un peu partout dans la parole de Dieu, comme un feu. Dévorant, qui est retenu dans mes os, je me fatigue à essayer de le contenir, sans y parvenir. Paul était un genre comme cela également. Il ne pouvait pas retenir ce que Dieu lui montrait. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, si je n'annonce pas ce que j'ai reçu du Seigneur. Je n'ai pas reçu, ce n'est pas une révélation de la chair ni du sang que j'ai reçu. C'est une révélation de Jésus-Christ lui-même. Paul avait la plénitude du Saint-Esprit sur sa vie. Il est enveloppé du Saint-Esprit. Et Paul dit, nous dit à chacun d'entre nous, « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Jésus. » Jérémie ne pouvait pas. Il essayait de le contenir sans y parvenir. Jérémie était bouillant pour Dieu. Et nous savons que nous servons un Dieu d'un feu dévorant. Dévorant, qui dévore ses ennemis. Alléluia. Verset 10. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs. Jérémie entendait ces choses. La terreur règne de tous côtés. Dénoncez-le. Venez dénoncer Jérémie. Ou nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observaient pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laisserait-il surprendre, alors nous serons plus forts que lui. Et nous nous vengerons de lui. Vous savez, plusieurs voulaient la mort de Jérémie le prophète. Plusieurs voulaient la mort de tous les prophètes que Dieu a envoyés. Combien de prophètes Dieu a envoyés à Jérusalem, en Israël, Jésus le proclamant lui-même. Ils ont tué les prophètes. Zacharie a été tué entre l'autel et le temple. Et j'en passe. Et aujourd'hui, il y a des justes qui sont tués spirituellement. Il y a des prophètes qui sont tués spirituellement également. Non physiquement comme dans le temps, mais sont tués moralement. De cœur, d'âme. Ils sont méprisés, rejetés, incompris. C'est dur pour un homme, frère et sœur.
Et c'est pas eux qui ont choisi ces ministères, c'est Dieu qui a choisi ces hommes. Alléluia. Dans les Actes, le jour de la Pentecôte, il y eut l'effusion du Saint-Esprit. C'était le baptême de l'Esprit que devaient recevoir les disciples de Jésus. Ce n'était pas le baptême d'eau, c'était le baptême de l'Esprit. Actes 2, 3. Des langues semblables à des langues de feu. Il dit semblables. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut séparées les unes des autres et se posèrent sur chacune d'eux. Verset 4. Car ça nous dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et non baptisés du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, ça nous dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le feu n'est pas mentionné, là, frères et sœurs. Il n'y a pas de feu de mentionné. C'était comme des langues de feu. C'était surnaturel. Oh, plusieurs disent encore, nous sommes remplis de feu. Ils sont bien spirituels, ces gens. Nous sommes remplis de feu. M'a dit comme un frère, m'a dit, c'est bien plus un feu de paille que d'autres choses. C'est bien ça que Jésus va faire. Il va brûler la paille. Tout scandale, tout mensonge, toute hypocrisie, tout ce qui n'est pas transparent, puis qui sont là, Dieu va s'en charger. Parlons des langues de feu qui est dit dans les Actes des Apôtres. Tout comme le bruit du vent. Il y a eu un vent à la Pentecôte qui n'était simplement qu'un symbole. C'était simplement un symbole. Je vais finir avec ça, puisque nous parlons de ce feu. Ces langues n'étaient pas littéralement des flammes, mais plutôt des signes surnaturels venant d'un Dieu tout-puissant. Il était semblable. La Bible nous dit qu'il était semblable à un feu. Cela confirmait que Dieu avait envoyé le Saint-Esprit sur chacun, sur chaque croyant. Dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, le feu est souvent le signe de la présence de Dieu, comme des flammes de feu. Alors, le chapitre de Matthieu, chapitre 3, 11, 12, ce n'est pas le cas. Dans ce contexte, il parle de trois baptêmes. Baptême d'eau pour conduire à la repentance, baptême du Saint-Esprit et baptême de feu qui est le jugement de Dieu. Ce n'est pas le feu qui représente la puissance, c'est le Saint-Esprit qui représente la puissance. Jésus a dit à ses disciples, « Allez à Jérusalem et attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1, 8. La puissance, ce n'est pas le feu. C'est le Saint-Esprit en nous. La plénitude du Saint-Esprit. Je vais terminer la conclusion. Je ne ferai pas une autre partie, je vais aller un peu plus loin. Nous le voyons dans l'Exode 3, 2, 6, l'apparition du feu de Dieu comme protecteur contre les ennemis du peuple. Et nous voyons la nuée de Dieu, des signes surnaturels qui viennent d'un Dieu souverain, frères et sœurs. Cet usage par Dieu de cette apparition sous forme de flamme est parallèle à son envoi d'une colombe lors du baptême de Jésus dans le Jourdain. Pareil!
que l'on a vu précédemment dans Matthieu 3, 16. Qu'a dit Matthieu 3, 16? Je ne l'avais pas écrit. Matthieu 3, 16. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Comme une colombe. Il vit l'Esprit de Dieu venir sur lui comme une colombe. C'était une image surnaturelle de Dieu, de sa présence. Il disait, écoutez-le. Écoutez-le. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Alléluia. Luc 3, 21, 22. Baptême de Jésus-Christ. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit, descendit sur lui sous une forme de colombe, corporelle, sur une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Il est mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Combien, frère et sœur? Ce que la Bible dit, nous voyons cela dans les actes, nous parlons toujours du Saint-Esprit. Je veux mentionner ceci car c'est très important. Les actes 2-4, ça nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous parlons ici des apôtres. Les apôtres et les 120, contrairement au baptême de l'Esprit qui est un acte unique, par lequel Dieu inclut les croyants dans son corps, comme nous l'avons vu au tout début de ce message. Comme l'apôtre Paul l'enseigne dans son épître, le 1 Corinthiens 12, 13, qu'on a vu, l'image corps humain, Paul dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit et formé un seul corps, soit juif, soit esclave, et tout ça. Parlons maintenant de la plénitude de l'esprit. Cela correspond à une réalité renouvelable. Je m'exprime. Renouvelable, parce que les disciples ont été renouvelés dans le Saint-Esprit. Ils ont été renouvelés. Ils ont été, le Saint-Esprit est venu encore en leur présence pour leur donner de l'assurance. Parce qu'ils avaient perdu de l'assurance pour propager l'Évangile. Parce que Pierre et Jean avaient été arrêtés par les autorités, ils avaient été mis en prison. Et là, ils se sont réunis ensemble dans une chambre, ils ont prié de nouveau. Et le Saint-Esprit est venu, et le lieu où ils étaient tremblait. Elle se traduit par un comportement dirigé par le Saint-Esprit. Dieu nous invite à garder cette réalité en nous. Je termine. Souvenons-nous de ce que dit le chapitre 4 des Actes des Apôtres, 23-31, à lire. Nous allons voir que les disciples, après avoir prié, qu'est-ce que je viens de dire, ils ont reçu de nouveau le Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec de l'assurance. La plénitude de l'Esprit ne donne pas uniquement de l'assurance dans la prédication. Elle a un impact dans tous les domaines de notre vie, frères et sœurs. La plénitude du Saint-Esprit a un impact dans notre vie chrétienne. Éphésiens 5, 19, 33 à lire. En conclusion, le baptême du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit, le feu du jugement. Nous pourrions continuer sur cette parole, car il y aura beaucoup, j'aurai beaucoup à dire, frères et sœurs, pour partager ce que l'Esprit de Dieu donne, touchant spécialement les langues et le renouvellement de toutes choses.
Mais je vais m'en tenir à ce message ce soir, à ce qui a été partagé. 2 Corinthiens 13, 13, ça nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec tous. Et que le Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. Gloire à Dieu. J'ai terminé. Et qu'on puisse méditer cette parole, aller vérifier. Le feu, c'est un feu de jugement. Jésus est sur le point de venir. Il va nettoyer son air. Il a le vent dans la main. Il va nettoyer son Église. Il va purifier son Église. Il va enlever les scribes. Il va enlever tout ce qui n'est pas bon. Il va enlever du milieu de son Église. Alors, Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui habite en nous. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit, que tu puisses nous diriger encore et encore dans toutes tes voies qui sont véritables dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Je vous aime et à la prochaine.